Vladimir Legagné, 14 mars 2018, pour déplacer, pour faire un reportage, pas chez moi. Vladimir Legagné, je dis, a fait 3 ans. Et 3 ans, c'est un chiffre très symbolique. 3, c'est un chiffre très symbolique. Et c'est ça que fait. Et au nom de principes qui gèrent l'univers, nous fait un bagage symbolique côté nous triangle 1 qui marquait 3 ans, ça 3 ans disparition, 3 ans nous pas jamais moins encore, 3 ans ou non même nous, 3 ans famille, amis, camarades, jusqu'à présent la demandé qui côté passé, qui côté y est, et jusqu'à présent il y a un test ADN que la police DCPJ mal fait. Jusqu'à présent, nous avons jamais joué et test ADN. Et nous remercions Atisho qui prend Muyo comme symbole, mémoire, comme un médium, comme un média pour immortaliser Muyo, Muyo qui marque et PIA. Et c'est dans ce sens ça, nous devons local RNDDH, côté yo, fait un portrait où. Bah, c'est symbole. Comme on dit, ici tout est mystère, ici tout est symbole. Tu es parti, c'est ton corps. Mais jusqu'à présent, c'est mémoire qu'on a honoré, c'est mémoire qui est important pour nous. Ça où tu es planté, a poussé et a bâillé fruit. C'est dans ce sens ça, nous-mêmes. Et je dis, nous mettons campé au collectif, qui est le collectif 50 mm. 50 mm, pour qui ça? Parce que sont 50 mm, où tu es en pile. Vous avez dit, c'est un objectif, c'est un lens que les photojournalistes ont mis en pile. Et bien, c'est ça que fait nous le collectif là, collectif 50 mm. Et nous mettons un peu en prix, qui est le prix Vladimir Legagné. Un prix photojournaliste. Ça veut dire, image, c'est un outil pour vous, pour te éveiller conscience. En plus, nous avons un cours on est très conflictuel, mais au fond, son équité remet pays, son équité voulait bailler et peuple information. Et c'est ça que fait. Vous êtes parti pour faire un reportage là, parce que vous pensez information ça, vous déterrez la Bible. Vladimir Legagné, vous ne pas mourir, vous déplacer. Et nous-mêmes, collectif 50 mm, nous-mêmes, photojournalistes qui sont conscients en d'un pays, qui comprennent que les caméras sont soucis. Dénoncer l'injustice sociale, même gens, je fais pas que là pour dénoncer ça, on est impunité. Parce que en deux pays, je tue mon jaoblé, l'aoblé, dans le moment que je fais plaisir, tout acte ça aurait été impuni. C'est toujours en tête, c'est poursuivi. Jean-Dominique tombé, Brian Lindor tombé, en pile le journaliste tombé. Yvonne, Hakim Renfel, tout le monde s'est retombé. Jusqu'à présent, je ne vais pas jamais jouer. Jodia, pour 3 ans, disparition. Nous,
Winnie, Néhémi Joseph, Rospit Pétion, tout le monde s'est retombé parce que c'est comme ça qu'on a dit. Comme on dit, la vérité est révolutionnaire. C'est une logique critique, c'est une logique révolutionnaire. Vladimir Leganiè, ou pas mourir, ou traverser, ou traverser, c'est notre sens à nous organiser, si AXA dans mémoire. Vladimir Leganiè, quel ancien ça? Par intermédiaire, bienheureux c'est Michel Archange, monté Cotorier. Et pour nous force, pour nous courage, pour nous continuer la bataille contre l'impunité en dans le pays. Pour nous bataille contre l'injustice sociale. Dans notre toute force cosmique, dans notre toute sincère, nous saluons les mémoires. Nous demandons force, nous demandons énergie, nous demandons courage, nous demandons détermination, volonté. Vladimir Leganiè, ou pas mourir, ou traverser dans un plan qui est plus subtil. Et à quel moment nous avons besoin, nous sommes capables d'avoir, nous carrer l'eau, nous demandons courage.
On est mémoire, c'est un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui est condamné regardez, à la mort, à mourir. C'est ça qui fait nous-mêmes qui bien plus ou moins en capacité pour nous songer, parce que la guerre, c'est une guerre de mémoire, et il y a enseigné l'oubli. Des gens, nous ne pouvons pas oublier dans la société. Un personnage tant que Vladimir Leganier, qui est un photojournaliste, qui est très jugant, qui est un pile fou. Nous ne pouvons pas dire Vladimir Leganier. Jeudi, c'est 14 mars 2021. Vladimir Leganier parti à faire un reportage dans un quartier populaire, qui c'est tout le monde connaît, qui c'est Grand Ravine, jusqu'à début, et 14 mars 2018, jusqu'à présent, il n'y a pas jamais retourné. Nous-mêmes, nous inquiets. Nous inquiets. Et inquiétude noire, c'est ça qui pousse nous à faire acte de mémoire. Ça. Et dans la mémoire, Vladimir Leganier. Parce que non seulement c'était un camarade, et nous étions capables ensemble, et c'est un mec qui initie tout dans la couvrir manifestation. Parce que moi-même, dès toujours qu'on a couvert l'activité culturelle dans le pays. Vladimir Leganier dit non, il n'y a pas seulement l'activité culturelle dans le pays, il y a des gens qui sont sous béton. C'est ça que fait. Et nous montons un collectif, qui est le collectif 50 mm. Et son collectif photojournaliste, parce que nous connaissons qui pourra photo jouer dans la société. Ça veut dire que photographie sont outils qui ont éveillé la conscience en paix. Et Vladimir, c'était dans des masses, ça, Vladimir. Ce n'est pas un photographe ou bien c'est pas un photojournaliste qui était là, qui a amusé la galerie, mais son photojournaliste critique. Son nec qui était proposition, son nec qui était ouais, comme nous, outils qui sont là, caméra, son amis. Qui a dénoncé ça, l'injustice sociale, et monsieur, tout quartier populaire, a derrière information pour bailler contre la population. Et c'est dans la logique ça, que la disparition, et Vladimir Leganier, fait. Nous-mêmes, nous, campé collectif là, nous disons non, nous ne pouvons pas oublier Vladimir Leganier, et nous-mêmes, créons prix, photojournaliste, qui est le prix Vladimir Leganier. Ça veut dire, c'est nous pour faire, nous avons besoin de l'État, parce que jusqu'à présent, pas de maison de la photographie en Haïti. Jusqu'à présent, pas un cinéma qui ouvre là dans le pays. Reste fermé. Tout cinéma fermé. Et l'on comprend qui rôle image joue dans la société. Et bien c'est ça que fait nous-mêmes nous dit, nous camper comme un seul homme, nous dit, nous pas capier Vladimir Leganier. Son équipe dans l'audiovisuel, son équipe dans l'image, nous dit, nous prenons, monsieur, un hommage qu'elle méritait. Et c'est ça que fait nous camper collectif là. Et pour nous rendre oui, vivants. Et son équipe nous pas oublié, c'est ça que fait ça. Bon, vous saluez déjà la presse est en ligne qui est présente ensemble avec nous. Et dans une belle activité ça. Donc nous connaissons aujourd'hui déjà fait 3 années depuis Vladimir Leganier qui disparaît. Et même le test ADN qui a été fait jusqu'à présent et en DDCPJ, nous n'avons jamais le résultat de test là. Un test ADN qui a duré 3 ans. Donc, c'est notre objectif ça, nous disons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas quitter juste à passer. Nous-mêmes qui sommes journalistes conscients, nous-mêmes qui sommes sentinelles, nous ne pouvons pas quitter juste à passer sans que nous ne fassions bagarre, sans que nous ne fassions pas honorer les morts et les bâtiments. Et qui a fait un travail qui est noble dans la société, qui a caché la carrière, qui a porté l'information, qui a porté l'image en vous. Et Vladimir, c'est un homme qui a fait un travail, surtout en ghetto, pour lui montrer comment la réalité est en ghetto. Nous avons ça, Vladimir, c'est le dernier reportage de Vladimir Leganier fait, c'est son album et qui est bien bassin, côté que son album qui est les barricades de l'homme. École normale. Côté que en album ça, son album qui parlait de l'école nous gagne, qui mode l'école. Yo. Donc monsieur lui-même il est un critique qui fait monsieur aller là pour le avancer avec vidéo, ça parlait de images surtout. Donc, j'ai un camarade fortuné ce type-là. Nous connaissons un pays qui n'a pas gagné, pas même gagné un centre d'arrêt,
un espace que l'État a fait, nous a dit bon, nous avons toutes les mémoires là. Donc, des espaces qu'on dit que jeunes ont regardé, nous dit bon, ça y est, il est passé de deux années, nous faisons une météo là. Donc, nous montrons que l'État a fait une idée ça. Une idée pour nous dire que Vladimir Le Gagnon n'est pas mort, la vivre dans nous, la vivre ensemble avec nous. Et nous reconnaître le travail que Vladimir Le Gagnon a fait dans la société. Hein, et c'est ça qui fait nous prier à voter pour Vladimir Le Gagnon. L'idée est bien que c'était un camarade d'église qui vivent avec Vladimir. Et monsieur, c'est même, madame, je l'ai dit, ah, Edis pour Vladimir. Parce que nous avons depuis 8h30 ensemble, pour 9h de l'après-midi. Oui, exactement, de 9h à la soirée. Donc, nous-mêmes qui conscients, nous disons, bon, nous ne pouvons pas quitter les choses. Il faut que nous fassions des choses pour la mémoire et confrères. En gros, c'est ça. Qui est dans le collectif là? C'est Peter Peterson, c'est Eden, c'est lui, c'est moi-même Charlie Coutin, dit Kangazile, c'est Richard Pierre et puis Gamal et Disportif. Et Milo Gélin, qui est dans le collectif là, c'est environ nous sept qui sommes dans le collectif là. Donc, nous ne pouvons pas là. Nous ne pouvons pas caper là, et le collectif va aller loin, et là, il y a d'autres activités qui sont pour finir. Merci.